Bonjour, je vous présente la formation d'acro-yoga à Yoga du Sud. Moi, c'est Rosa Aguilera. Moi, c'est Erwan Tepo. Dans cette formation, qui est composée de 6 modules, on essaie de donner tous les outils pour développer la pratique de l'acro-yoga, des séros jusqu'à des disciplines plus avancées. Dans ces premiers modules, on va aborder les bases de l'acro-yoga. Dans notre école Yoga du Sud, on donne l'opportunité aux profs de se former et de se spécialiser dans des disciplines reliées au yoga et au mouvement. Je vous présente donc Erwan qui va vous parler de son parcours. Donc moi, j'ai commencé l'acro-yoga il y a environ 7 ans. Et depuis, je pratique. Et en 2018, je suis allé me former avec une école qui s'appelle Acroyoga Thai, des gens qui vivent en Espagne. Et je me suis formé en Inde pour le yoga et l'acro-yoga. Avec Erwan, on pratique depuis 6 ans maintenant. Je suis également formée en acro-yoga avec Acroyoga International et je fais également des stages des lunaires qu'on a fait ensemble. Et je me suis formée auprès aussi des écoles de cirque parce qu'à la base, je suis circassienne. Du coup, on partage maintenant 6 ans de pratiques ensemble. Au moins, oui. Dans ces premiers modules, les bases de l'acro-yoga, on va travailler fondamentalement sur les positions en L-basing, ça veut dire qu'une personne est allongée et l'autre personne va évoluer, va voler sur la base. On va travailler des positions de base et des positions intermédiaires jusqu'à construire des flows et des washing machines. Les washing machines sont des flows qui tournent en cercle. On va aussi vous expliquer dans des prochaines vidéos les codes de base de l'acro-yoga, les grips, donc la façon dont on se prend les mains. Et on va essayer de donner les consignes de sécurité de base.